habituellement dans l'église, nous organisons des rencontres de l'église et nous invitons le pasteur Boniface Meunier pour nous parler de la part du Seigneur. Mais ce soir, c'est le contraire. C'est l'église qui s'est rassemblée et invite le pasteur et sa famille. Et l'église s'est choisie un homme qui est le porte-parole. Il est l'initiateur de ce projet qui est né en 2010. Il est pasteur, il est missionnaire, il est aussi un serviteur du pasteur Meunier. Ils ont voyagé ensemble, ils ont parcouru la nation, ils ont effectué au moins 100 missions ensemble. Alléluia. Et ce soir, c'est lui que l'Église a choisi pour parler, pour donner les nouvelles. C'est pourquoi nous avons invité la famille Boniface Meunier. J'invite à ce pupitre le pasteur Théo Bernard. Oui, il s'est fait accompagner par son conseiller, le pasteur de Gonzague Germain. Pasteur Boniface Meunier, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, notre bien-aimé Père en Christ. Pasteur Colette Meunier, missionnaire numéro 2, dirigeante nationale de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, section Côte d'Ivoire, que nous appelons affectueusement Maman Colette. Bien-aimés sœurs et frères enfants Meunier, la joie qui m'anime, le plaisir qui me porte et la réjouissance dans mon cœur sont immenses en ce jour spécial. Oui, ce jour est un jour spécial, un jour de fête et nos cœurs sont dans la joie car l'engouement porté à cette cérémonie n'a pas faibli et la mobilisation est toujours de mise, démontrant à quel point tout ce qui est en rapport avec les valeurs et la vision que prône ce rendez-vous est devenu essentiel aux yeux de chacun et de tous. Cher papa, sans risque de me tromper, cette noble initiative commencée il y a 14 ans gagne en notoriété et en valeur symbolisée par la présence de tous tes enfants venus des quatre coins de la nation. À cet égard, je voudrais t'adresser au nom de toute l'Église nos sincères remerciements ainsi qu'à notre bien-aimée maman pour votre disponibilité et votre soutien qui ne nous ont jamais fait défaut malgré vos lourdes charges. Cher papa, permets-moi de marquer ici un arrêt pour saluer très chaleureusement notre frère. Ton petit frère, arrivé fraîchement de Yaoundé, Messina Gérard Marie, grand professeur sémiopolitiste à l'Université Yaoundé 1, dont la présence à nos côtés donne un contenu spécial à cette cérémonie. Merci à toi, professeur, d'honorer notre rencontre en prenant une part prépondérante dans son déroulement en y contribuant par ta présence remarquée. Cher papa, à l'instar des années précédentes, la CMCI Côte d'Ivoire, sous ton leadership éclairé, a connu cette année encore des progrès significatifs en termes d'effectifs. En effet, nos effectifs sont passés de 68 312 disciples le 31 décembre 2021 à 79 243 disciples au 31 décembre 2022. Soit un ajout de 10 931 disciples se réunissant dans 2530 assemblées de maisons. Cher papa, nous sommes fiers de travailler avec toi. Et nous sommes conscients du prix à payer pour un nouvel envol de l'Église. Je voudrais aussi, et ici,
te rassurer de notre consécration renouvelée et de notre détermination à t'accompagner en 2023. Bonne et heureuse année, je vous remercie. Merci. Après le discours du président du comité d'organisation de cet événement, nous invitons la famille Meunier, principalement papa Meunier, maman Meunier, de bien. Vous savez, la Bible nous enseigne que nul n'apparaît devant l'homme de Dieu les mains vides. Et le pasteur Théo Bernard et l'Église a bien compris ce message. Papa, maman, nous sommes très heureux de vous avoir comme parents et à l'orée de cette nouvelle année, tous tes enfants réunis ici, tous vos enfants réunis ici, ont décidé de vous dire d'abord merci pour tout l'encadrement que vous leur avez apporté pendant l'année 2022 et depuis le début, et vous renouveler, comme on vient de le dire tout à l'heure, leur consécration, et nous vous offrons ce don symbolique pour vous dire que nous sommes toujours avec vous. Un don à la taille de la direction spirituelle. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Après la remise de ce don, nous donnons la parole à la famille Meunier. Offrande! Acclamation à Jésus. Avec des cris de victoire. Avec des cris de joie. Jésus de Nazareth. Avec des cris de joie. Je vais faire lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 16. Suivez bien, c'est un partage. Nous partageons le bonheur avec vous. Parce que si on enlève Jésus de cette rencontre, elle devient nulle. Et Jésus est là du début jusqu'à la fin. Dites amen. Donc, écoutons ce qu'il nous demande. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimé. Demeurez donc dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Jésus nous montre ici la voie de la réussite. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et pas n'importe quel amour, mais l'amour que le Père a pour nous. L'amour qui sacrifie le meilleur pour l'autre. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ne vous inquiétez de rien. La conquête est devant nous. Jésus nous a déjà garanti le succès. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Que votre fruit demeure. Ça veut dire que quoi? Que la réussite est garantie. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Pas de provocation, pas de ruse, pas d'orgueil. Voilà le chemin de la réussite. Mais le don de soi-même aux autres. La recherche absolue des intérêts des autres. La poursuite du bonheur des autres. Si nous nous engageons dans cette école, nous aurons beaucoup de fruits. Donc nous aurons beaucoup d'âmes gagnées parce que les âmes auront vu les marques de Christ sur nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Au moment où vous venez renouveler votre consécration, ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous et vous, nous devons entrer dans l'école de l'amour de Jésus-Christ. Vous allez voir, le monde est rempli de méchanceté, de violence. Le matérialisme a détruit les pensées des hommes. Le peuple qui va réussir à faire briller la personne de Christ dans cette nation, c'est cette personne-là qui sera une bénédiction devant Dieu. Ça sera aussi la même chose pour tous ceux qui le feront pour le monde entier. C'est pour cette raison qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Il y a des nouvelles personnes parmi nous. Vous êtes les bienvenus. Entrez, n'observez pas, ne dites pas, je vais regarder. Avec nous, on n'observe pas, on entre dans la bataille. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui vous avons choisi, c'est Jésus qui vous a choisi. Et il vous ajoute à notre nombre. Vous devez seulement obéir. La Bible dit d'obéir sans hésiter et sans murmurer. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire en ce jour de joie, de bonheur, de fête. Alléluia. Et chaque membre de la famille aura le temps ou quelques mots pour vous saluer. Sinon, scellez cette parole dans les cœurs. Amen. On commence par
Venez, venez, venez. Je suis grand-père, hein. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur pour votre soutien, pour le soutien que nous nous avez accordé depuis l'année 2022. Je veux dire merci pour le nombre de frères qui se précipitent pour m'aider quand j'ai des problèmes. Je veux vous dire merci parce que lorsque tu es dans un environnement où tout le monde est un païen, tu commences à comprendre la différence entre un enfant de Dieu et un païen. Tu es heureux de savoir que quelque part se trouvent des personnes qui sont comme toi, sur qui tu peux t'appuyer. Je veux dire merci au Seigneur parce que vous avez demeuré en lui pendant toute l'année 2022 et vous continuerez à demeurer en lui pendant toute l'année 2023. Je veux dire merci pour cela. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde une grande croissance spirituelle, qu'il vous délivre de tous vos problèmes. Que son nom soit loué. Mon Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je rends grâce au Seigneur pour le don de chacun de vous. À travers vous, on peut voir l'amour de Dieu. À travers vous, on voit comment est-ce que Dieu nous aime. Un amour inconditionnel. Au milieu des frères, je sais que je suis aimée sans faire quoi que ce soit. Je rends vraiment grâce à Dieu pour l'amour que vous avez pour lui dans votre cœur et pour chacun de nous ici, en tant que la famille Meunier. Et je prie le Seigneur de vous bénir durant cette année 2023. Que Dieu vous comble de tout ce dont vous avez besoin. Que rien ne manque, tout ce dont vous avez besoin. Et je prie que Dieu vous accorde la chose la plus importante, de demeurer en lui jusqu'à son retour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Je suis un être spécial grâce à vous. Les deux grandes parties de mon cerveau portent deux grands pays. La partie gauche de mon cerveau porte le Cameroun. La partie droite de mon cerveau porte la Côte d'Ivoire. Je me sens dans une situation de double nationalité. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan spirituel. J'ai une double nationalité. Ma joie est d'autant plus grande que la dernière et toute première fois que je suis passé sur le site d'Atchekwa, je sortais du Ghana et j'allais au Cameroun. J'avais escale à l'aéroport international d'Abidjan. C'était beaucoup d'heures et dans mon plan de déplacement, j'ai prévu avec papa qu'il fallait que je fasse un tour à Atchekwa. Et j'étais venu, il n'y avait pas beaucoup de temps, il y a un peu plus d'un an, mais j'ai passé de grands moments avec vous sur ces sites. Vous comprenez combien grand est mon privilège aujourd'hui d'être avec vous et de participer à cet événement spécial qui est rendu à sa 14e édition. Je remercie le Seigneur infiniment, je l'ai dit tout à l'heure, pour le privilège qui est le mien. Modestement, à Yaoundé, j'accueille les frères chaque jour et quand ils ne passent pas pendant quelques mois, je me sens seul et isolé. Que le Seigneur continue à vous bénir abondamment. Merci infiniment. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis merci au Seigneur pour la présence de chacun de vous. Je vous dis aussi merci pour tout le soutien que vous nous avez apporté l'an passé. Et ce soir, je voudrais que le Seigneur vous bénisse avec tout ce que vos cœurs désirent. Il vous accorde la santé, la force et de progresser spirituellement. Amen. Amen.
Gloire à Dieu! Que Dieu nous bénisse abondamment. Et je suis très heureuse de me retrouver en ce lieu, entourée des frères et sœurs. Et je veux louer le Seigneur pour le don de chacune des personnes ici présentes. Gloire à Dieu. Je veux louer le Seigneur pour l'amour pour nous qu'il a mis dans vos cœurs, qui vous emmène à être toujours présent dans les situations heureuses comme dans les situations malheureuses, dans la joie comme dans les épreuves auprès de la famille Meunier. Je veux bénir le Seigneur pour tous les dons reçus des frères, les dons en personne, les dons en vivres, les dons en argent, les dons de tout ordre. Et je veux profiter de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023. Et je prie que Dieu vous accorde à chacun une santé parfaite afin de pouvoir le servir. Et que Dieu accorde à chaque frère de pouvoir effectivement porter du fruit dans la formation des disciples, dans le service, dans le gagnement des âmes, et de pouvoir aller de progrès en progrès dans toutes nos entreprises. Que Dieu enlève tous les obstacles sur le chemin des frères, afin qu'il y ait des promotions, des mariages, des élévations, des succès, et que Dieu nous comble de ses grâces. Amen. Alléluia. Nous sommes un témoignage vivant de votre amour pour la famille Meunier. Alléluia. Au fait, par nous, nous reconnaissons que votre amour est pur et sincère. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un amour visé. Vous aimez sincèrement la famille Meunier. Et ma prière pour vous, c'est que de la même manière que vous avez aimé la famille Meunier, de cette même manière, on vous aime dans vos zones. On vous aime dans vos localités. On vous aime partout là où vous mettez les pieds pour conquérir. Parce que frère, si tu fais la conquête dans une zone qu'on ne t'aime pas, si tes enfants ne t'aiment pas, tu as déjà échoué. Alléluia. Donc ma prière, c'est que Dieu œuvre puissamment pour que vos enfants, vos brebis, vous aiment effectivement d'un amour vrai et sincère. Afin que vous voyez cela dans leur manière de faire, comme vous êtes en train de faire pareillement pour la famille Meunier. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il multiplie vos efforts sur le terrain et que cela porte abondamment de fruits afin que l'œuvre en Côte d'Ivoire prospère davantage. Amen. Amen. Pour ceux qui me voient la première fois, je suis le frère Assamoah Martial, disciple du pasteur Boniface Meunier, et je suis l'époux de cette merveilleuse, cette merveilleuse sœur qui est la fille du pasteur Meunier. Raison pour laquelle je suis là. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on a l'habitude de dire, quand ils venaient en Côte d'Ivoire, ils étaient trois. Alléluia. Et maintenant, ils se sont multipliés. Alléluia. Quand je vous regarde, mon cœur est dans la joie. Je suis émerveillée. Je suis bénie. Je veux dire à chacun d'entre vous que je vous aime. Et puisque le Seigneur Jésus a dit à travers Papa Meunier que cette année est déclarée l'année de la formation des disciples. C'est vrai qu'on formait les disciples avant. Alléluia. Mais maintenant, nous allons appliquer davantage nos cœurs à cela. Je veux te dire, nous sommes le fruit de la formation des disciples. Nous ferons des disciples en grand nombre. Amen. Tu es le fruit de la formation des disciples. Tu feras des disciples en grand nombre. Amen. Dis amen. Amen. Tu es le fruit de la formation des disciples. Tu feras des disciples en grand nombre. Amen. Amen.
Tu es le fruit de la formation des disciples. Tu feras des disciples en grand nombre. Amen. Quels que soient les obstacles et toutes les barrières, tu feras des disciples en grand nombre. Amen. Même si le diable se lève sur ton chemin, hey, tu feras des disciples en grand nombre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ton attachement à la famille Meunier. Que le Seigneur te bénisse pour ton amour à Papa Meunier. Alléluia. Quand je vois comment des mamans peuvent courir de loin l'embrasser, mon cœur est dans la joie. Un jour, la crainte m'avait saisie. Quand j'ai su que je devais un jour partir, je dis, hey, « Hé Seigneur, oh, j'ai connu papa, maman, la famille restreinte. C'est vrai que j'ai la grande famille que la CMCI. Mais Seigneur, s'il te plaît, quand je vais partir, il faut veiller sur papa. Il faut veiller sur papa. » Et le Seigneur m'a dit, « Qui es-tu ? » Alléluia, tu ne peux rien faire. Qui es-tu, Gracielle? Je lui ai donné des hommes. Je lui ai donné des hommes. Alléluia. Je lui ai donné des convives. Oh, je lui ai donné des hommes. Seigneur. Je lui ai donné des hommes. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tes sacrifices. Qu'il te récompense au centuple. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamez très fort. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne cesserons jamais de dire merci à Dieu et à chacun de vous. Le Seigneur a été très, très bon. Vous le savez. Je le sais. C'est difficile de commencer à égrener le chapelet des bontés du Seigneur ici. Les enfants ont déjà parlé. Je me tiens ici ce soir pour dire que le Seigneur nous a lancé un défi. Et nous sommes capables de relever le défi. Alléluia! Quel est ce défi? Nous étions ici en décembre. Nous avons fait une semaine ici sur ce site. Le Seigneur s'est montré à nous. Il est en train de frayer le chemin qui mène à la révision de la formation des disciples, comme notre dirigeant nous a annoncé en décembre et en début d'année. Le Seigneur nous a amenés dans sa parole. Une parole qu'on avait commencé à réciter sans révélation. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Et il s'est dévoilé à nous. On était surpris de la vérité biblique qui était en train de nous échapper. Alléluia! Le Seigneur nous aime. Ces semaines, si c'est mardi, ces cours de formation des disciples, nous entendons dire que la formation des disciples, ce n'est pas d'abord la longue liste des routines spirituelles. Et qu'il y avait un intérêt à revenir à la vie de Jésus. Donc le Seigneur, en gros, ici, nous a fait comprendre qu'il a été, dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si on te gifle à la joue droite, il faut monter la joue gauche. Alléluia! Alléluia! Si tu vas offrir une offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord faire la paix et puis tu reviens. Ah! Ah! Si quelqu'un t'a offensé, il faut pardonner. Sept fois
fois, 70 fois fois 7 par jour, la même personne. Frère, c'est le chemin. Alléluia. Amen. C'est le chemin. Si tu dis à quelqu'un fou, on doit t'amener au tribunal. Il y a combien de personnes, le magistrat Uébi, il y a combien de personnes qu'on a amenées au tribunal là-bas parce qu'ils ont dit fou à quelqu'un? Parce qu'ils ont dit fou? Ils ont insulté quelqu'un fou? Idiot? Ça, c'est étrange. OK. C'est prévisible, mais les gens négligent. Gloire à Dieu. Oui. Il est possible de porter plainte pour une personne qui nous injurie. Mais cela dépend du canal utilisé. Si c'est par voie de presse, cela devient un délit de presse. Si c'est entre nous, de façon privée, là, en ce moment, ça a été dépénalisé depuis la loi de 2014. Mais la Bible dit qu'on doit amener une telle personne au tri. Est-ce que tu as dit à quelqu'un idiot en 2022? La loi n'existe plus. Oui, depuis 2014, la loi a été abrogée. L'injure publique en particulier a été dépénalisée. Pourtant, dans la parole de Dieu, c'est encore vivant. Alléluia! La parole de Dieu est suprême. Est-ce que tu as dit idiot à quelqu'un en 2022? Est-ce que tu as une manière de regarder, de penser en idiot? C'est-à-dire, quand tu regardes quelqu'un, il se sent idiot. On doit t'amener au tribunal. Si quelqu'un méprise un de ses enfants, on doit lui faire quoi? Tu es guéri là. Est vrai. Est-ce que tu crois cette parole? Tu crois cette parole? Et il faut croire la parole qui dit que si tu injuries quelqu'un, on n'a qu'à t'amener chez le juge. Et il faut croire aussi la parole qui dit que si on t'insulte, tu ne dois pas rendre. Et il faut aussi croire la parole qui dit que... Il faut croire toute la parole. N'est-ce pas, Apocalypse dit que celui qui va mettre de côté une partie sera... On va retrancher sa part. Hein? La parole de Dieu doit être restaurée, rétablie. Dans nos vies de tous les jours. Le ciel, là, on le rate chaque jour, mais on le gagne chaque jour. Et je dis au Seigneur, Seigneur, 1995, en juillet, ça va faire en juillet, prochain, ça fera 28 ans, non? Mais j'ai dit, voici 27 ans, Seigneur. 95 à 2022, je te demande pardon. Seigneur, je veux recommencer la mission. Pour que, en esprit, en vérité, plusieurs puissent entrer au ciel pendant qu'on s'en va au ciel. Je veux recommencer 27 ans dans une grande église en pleine croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire si le sermon sur la montagne est mis de côté. Et le Seigneur est merveilleux en attirant mon attention, l'attention des intercesseurs, l'attention de l'église à faire attention à la manière dont nous sommes en train de faire les disciples là. Le tout ne sera pas le nombre de jeûnes de 40 jours qu'on a fait. Sinon, on est loin. On frappe les records mondiaux. Mais le Seigneur nous attend à ce tournant. J'ai dit qu'il nous a lancé un défi. Nous sommes capables. Alléluia! Amen. Tu es capable, non? Amen. De vivre à la montagne, non? Amen. Le Seigneur Jésus a redéfini, c'est ça. Je ne suis pas venu annuler la loi. Je suis venu là accomplir. Elle s'explique dans les détails. Quand je me couche et puis mon mari est fâché, je suis couchée. Il est fâché, je sais qu'il est fâché, puis je suis couchée. C'est la personne la plus prochaine. Avant d'aller chercher les frères dehors même, tu es couché, il est fâché, tu dors. Le matin, vous trouvez là. Et si quelqu'un d'entre vous ne s'éteignait, tu vas entrer au ciel? S'il vous plaît. Voici la route que moi j'ai empruntée. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai eu peur. Je dis, oh, je n'ai pas réussi. Mais qui me rend capable? C'est le Seigneur Jésus.
dont j'ai pris l'engagement. Les enfants, c'est vrai, non? Daniel m'a dit, parle, non, tu parles pas. Parce qu'elle est habituée aux paroles. Elle a dit, parle. Elle a dit, je parle pas. Il m'envoie au ciel. Alléluia! Il m'envoie au ciel. Allons au ciel. Amen. Allons au ciel. Allons au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons permettre aux parents de rejoindre les places. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur, s'il vous plaît? Merci d'avoir applaudi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Nous allons permettre à la famille Meunier de faire un tour d'honneur pour vous saluer, pour vous dire merci. La Bible nous apprend d'être reconnaissants et ils sont très reconnaissants pour ce que tu viens de faire. Et en retour, ils veulent aussi te dire merci. Donc, j'invite ici la famille Meunier. La famille sera conduite par le président du comité d'organisation. À sa tête, le pasteur Thio, le directeur de la mission, tout heureux. Pasteur Thio, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et nous avons la zone spirituelle de Pougon, qui est dirigée par le pasteur Lombé Innocent. Je vois le pasteur Oka. Seigneur te bénisse, pasteur. Pasteur Bapol, tout heureux, tout souriant. Et nous sommes maintenant au niveau de la table de Benjerville, la zone spirituelle de Benjerville, à sa tête le pasteur de Gonzague Germain. Et l'Euro Sassandra, qui est dirigé par le pasteur Gogoa Achille, et également la région de Maraoué. Et la zone de Port-Boué, dirigée par le pasteur Bachi Noé-Brice, Lord Dubois. Lord Dubois, oui. Le Bélier, que le Seigneur vous bénisse. Fraîcheville, Macorie, dirigée par le pasteur Mian Jean-Claude, docteur Mian Jean-Claude, que le Seigneur te bénisse. Ici, c'est
le petit bois, le du bois, oui, pasteur Méda André et Méda et sa délégation. Alphabétisation, littérature, c'est ça? Ok, que le Seigneur vous bénisse, merci pour votre présence. C'est la suite, Makori Freshville, l'autre table. Oui, Makori Freshville. La famille Meunier fait le tour pour vous saluer. Recevez les salutations de la famille Meunier. Missionnaires, c'est des frères qu'on salue de l'église. Merci beaucoup d'être venus nombreux à la 14e cérémonie de présentation de vœux de l'année 2023. Recevez les salutations, la reconnaissance de la famille Meunier, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être venu. Le Gord, la région du Gord dirigée par le pasteur Kana Désiré, son épouse à côté. Kabadougou, oui, recevez les salutations dans cette table. Pasteur Sang, frère de Kabadougou. Les interprètes. Donc ça c'est l'équipe de la de délivrance, le ministère de délivrance. À sa tête, Traier-Ernest, docteur Traier-Ernest, que le Seigneur te bénisse. Merci. Kondougou, pasteur Chrisoa, merci d'être venu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le cavalier dirigé par le pasteur Conan, son épouse et ses collaborateurs présents à cette cérémonie. La RTVC, Radio, Télévision, Voix de la Croix. Ayebi Tiasa. Ayebi Tiasa. Et je vois ici le pasteur Bertrand et son épouse. C'est la zone spirituelle d'Adjamé, à sa tête Mathias. Oui, ah il est là, il est là, il est là, il est là. Le grand nom dirigé par Roméné, pasteur Roméné. Adjamé, Adjamé, le grand Adjamé. Et les enfants, juste derrière Adjamé, soyez bénis. Passez à vous. Le Redoubou, soyez bénis. Merci pour votre présence. Le pasteur Fabrice, que le Seigneur te bénisse. Merci infiniment. Pasteur Gessa Mathieu,
ainsi que ses collaborateurs, les élus sont venus nombreux. Un dernier Joblin, Pasteur Raoul, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Le ministère aux enfants, recevez toutes les salutations de la famille Bélier. La Maraoué, que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est l'équipe de l'UMPJ. Intercession. D'accord. Oui, je vois maman qui est là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Merci. Nous sommes à la table de jeudi. Ah, le corps médical. Hey, professeur! Professeur Bakou, Cyprien et son équipe, recevez nos salutations. Merci, merci, merci beaucoup. La zone d'Agnamant, dirigée par Jules François et ses collaborateurs, merci infiniment, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Tu m'as béni, tu es bon, vraiment, tu es bon, pour moi, tu es bon. C'est la suite, d'ailleurs. Tout ça, c'est un moment. Ok, c'est bien. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Le corps des évangélistes, ok. Dirigé par le pasteur Ida, recevez nos salutations, les salutations du pasteur Bélier, son épouse et sa famille. Merci beaucoup. Laissez-moi. La logistique de l'église, recevez la salutation. À sa tête, le pasteur Bobitant Emmanuel, tu es bon. Ah, tu es bon. Jésus, tu es bon. Que le pasteur va saluer, c'est la jeunesse, le département de la jeunesse. La famille vous salue, très touchée par vos présents. Gloire à Dieu.
frères bien-aimés. Vous savez, de pareilles occasions, ce sont des moments aussi que Dieu utilise pour nous parler. Et je crois pour ma part que le Seigneur m'a parlé. Je crois aussi qu'il t'a parlé, n'est-ce pas? Il s'est appuyé sur le passage de Jean chapitre 15. Donc, je crois que peut-être tu n'as pas bien noté le passage. Donc, je vais te donner l'occasion de noter et en même temps écouter le passage. Alléluia. Vous savez, les années se succèdent, mais elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est l'année 2023. Et le Seigneur nous donne un passage, pour ma part, qui contient beaucoup de révélations pour toi, pour l'Église que tu es appelée à diriger. Donc, j'invite ici la sœur Annick Godi, si elle est là. S'il te plaît, fais-nous l'honneur de relire le passage de tout à l'heure. Nous allons relire le passage, mais sans commentaire. Donc, s'il te plaît, dispose ton cœur à écouter le passage. Jean chapitre 15, versets 1 à 16. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Alléluia. Baisse juste la tête et garde 3 minutes de silence au Seigneur. Laisse ton cœur, que ces paroles entrent. Alléluia. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a parlé. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous allons bénir le repas qui a été apprêté pour la circonstance. Nous avons également un jeune frère très talentueux
et qui est venu avec une grande surprise. Alléluia. Il veut également remettre de manière symbolique son œuvre d'art au pasteur Meunier. Mais avant cela, j'invite l'ancien de Gonzague à bénir le repas qui a été apprêté pour la circonstance. Notre Père et notre Seigneur, merci pour ce repas qui a été prévu pour la circonstance. Nous prions que, Seigneur, tu sanctifies tout ce qui sera mangé et bu au nom de Jésus-Christ. Amen. Yao Joed est un jeune étudiant qui cherche à intégrer l'école des beaux-arts. Il a le talent. Et quand il a appris que l'église allait se retrouver ce soir pour présenter les vœux au pasteur, il a également mis son talent en évidence. Alléluia. Il est venu ici avec ce tableau qu'il veut remettre au pasteur Meunier. Il ne s'est pas encore inscrit à l'école. C'est maintenant qu'il va entrer. Et il est en train déjà de nous prouver que s'il entre, tu auras peut-être même toi-même ton image demain. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Levons nos mains et demandons la grâce de Dieu. Dis Seigneur, nous te disons merci. Tout ce que tu fais, tu le fais bien. Père, que la grâce soit sur ton peuple. Que chacun en reçoive au centuple, comme tu l'as promis. Élève ce qui élève. Bénis ce qui bénisse. Soutiens ce qui soutienne. Donne à ce qui donne. Ô Père, que ta main de protection soit sur chacun. Que la joie qui abonde les cœurs à notre sujet abonde le cœur des autres à leur sujet. Que toute personne qui veut vous faire du bien soit bénie. Amen. Que vos noms soient bénis. Amen. Que vos apparences soient bénies. Amen. Que ton nom n'offense personne. Amen. Mais que chacun trouve le plaisir à prononcer ton nom. Amen. Comme que la promesse que Dieu a faite à Abraham en lui disant: je rendrai ton nom grand, s'accomplit sur toi. Amen. Parce que tu es un enfant, un fils d'Abraham, par la foi. Amen. Que plusieurs personnes soient bénies. Amen. Parce qu'ils t'ont rencontré. Car tu es une source de bénédiction.
Tu es une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Que les choses deviennent grandes dans tes mains. Tu ne seras plus le genre de personne dans les mains desquelles les choses deviennent petites, 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 petites. Je te bénis avec la capacité de procurer la joie à tout ce qui te confie une tâche, une entreprise, une œuvre. Qu'elle réussisse dans tes mains. Que tes mains soient bénies comme les mains de Joseph étaient bénies. Et au-delà même, parce qu'ici, il n'y a plus que Joseph. C'est Jésus qui t'a choisi. Que ton cœur soit ferme, que tu ne trembles point. Que ton corps repousse les maladies. Que ton corps rejette les maladies. Que chaque maladie divorce d'avec toi, que les maladies te fuient, que te fuient, que te fuient, que te fuient. Que la bénédiction te rencontre partout où tu iras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. C'est sur cette note, les cœurs vivement touchés, très heureux, très contents, d'être à Tiekoua, à cette 14e édition de présentation de vœux à la famille Meunier. Que nous faisons.